Pendant que je sorti de Monterrey, je suis allé à Mexico City dans le bus. Parce que faut que je suis allé. Je choisis de voyager la journée. Je suis allé à Monterrey. Je suis allé dans le bus, mais c'est dans la soirée. Parti soirée, parti la journée. Mais je dis à la garde, je suis allé là. Je suis allé un paquet de belles côtés. Un paquet de belles bails là. Je fais plusieurs vidéos dans la route là, je partage avec nous. Je vais filmer simplement le paysage là. Mon yo, un peu le gros monde. Et il y a un sujet qui est vraiment important, même si on a fait égoïste avec nous, on ne peut pas partager des vidéos, on ne peut pas les plateformes dans grandir, on peut les grands égoïstes qui suivent moi. Maintenant, fin de regarder des vidéos, prends quelques secondes pour l'année partager sur le profil Facebook, li, et partager sur le groupe WhatsApp, sur le groupe Facebook, tout ça, les sentir ça son big deal pendant ces temps. Tout le jour, les gens dans l'inbox, ils exigent des informations sans que ce soit payé la paye. Et je ne suis pas égoïste. Tout le monde qui contacte, je n'ai pas d'informations normalement. Que le monde a écrit en privé, que le monde a fait commenter, je toujours pas d'informations. Mes amis, l'ignorance est un gros bagaille. Mais on l'autre bord, il y a une série de gens qui ont des informations sur les réseaux, surtout sur TikTok, mais ça est méchant. Ça est mettre les gens dans une position peut-être chaud, peut-être parti. Et nous connaissons un peu de monde qui a envie de quitter Haïti, c'est vrai. Mais il faut nous apprendre à former bien. OK? Et selon l'information qui a circulé, il y a une série de visas humanitaires que le Brésil a bail. Qui laisse à tout le monde fou pour prendre rendez-vous pour le monde payo, aga, etc. Mais le Mexique n'a pas lancé aucun visa humanitaire, nous te disons ça déjà. Malgré moi, ouais. Il y a plusieurs personnes qui utilisent la première partie. Côté me dit que le Mexique a 50 000 visas. Nous déjà connaissons que nous avons des bonnes informations. Nous avons des voix qui passent en bas une vidéo coupée. Nous n'avons pas des images qui habitent sur la plateforme. Nous connaissons l'autre monde. TikTok est surtout qui a coupé audio, vidéo mieux, ou bien coupé partie vidéo mieux pour faire sensation. Pour attirer les gens sur l'agence pour voler l'argent. Les gens passent pile dans le volé. Et je me répète encore que je n'ai pas une agence, je n'ai pas organisé un voyage. Elle dit, depuis que nous pas ouais, c'est moi qui dis un bagage. Nous, même si nous tendons ces voix, nous parlons, allons chercher une vidéo mieux complète sur la plateforme pour nous tendre qui ça me dit. Dès que nous commençons cette vidéo, nous dit comme ça, le Mexique a bail 50 000 visas, après ça me vient éclairci que c'est menti. Et bien, ils ont utilisé petit parti ça pour faire sensation sur les réseaux pour attirer les gens sur l'agence. Comme quoi, c'est Léona, nous voyons déjà depuis nous temps de ces mois, nous avons fait confiance. Pas tomber dans le truc ça. Page Facebook, moi, j'ai un blue check. Et puis, moi, j'ai un profil Facebook avec blue check. Et puis, channel YouTube, moi, depuis nous tomber sur le, nous avons fait ces mois. Ok, mais ça m'a dit nous. Je dis à l'empile, moi, j'attendais de parler de rendez-vous pour visa Mexique. Mais il y a des gens qui pensent que c'est même gens avec les hôtels qu'on a bay rendez-vous pour visa dominicain. C'est un pour rendez-vous sans aucun critère vraiment, leur rivaux payer comme un bon visa. C'est pas qu'on s'allie, on a mal informé nous. Et l'autre yo dit qu'il y a rendez-vous pour visa Mexique là, c'est pour moun qui gagne un ensemble de critères soit pour visa et réunification familiale, soit pour visa tourisme, bah qu'on essaye un visa touriste dans l'ambassade Mexique là pour au prince qu'on y a, ou bien visa étudiant avec visa travail. Je dis à la visa travail la fait un pile écho, mais écho qu'elle fait à c'est moun qui gen moun yo ici qui fait des marches visa travail avec quelques nèg qui utilisent des avocats qualifiés ou bien qui gen contact avec des compagnies qui permettent aux jeunes lettres et puis eux-mêmes ils préparent le processus pour envoyer client yo parce que n'est qu'à faire comme dans ça ils envoient client yo à le faire demande visa travail dans l'ambassade Mexique là avec un fort de pourcentage de réussite. Nous désirons même pas dans maintenant pas contacter pour nous venir dire Léona combien de billets et comment pas gérer ça. Il y a des gens qui font demande pour me tabar aux lettres de travail bon pas une compagnie ou bien entreprise enregistrée ici déjà. Et je travaille sur ça et je ne peux pas l'utiliser comme une pratique pour me faire l'argent. Non.
Mais gagnel si c'est pour visa travail là oui gagne plusieurs nèg qui gérer ça gagne plusieurs agences qui joignent couloir pour gérer ça qui est sûr même pas connait à chercher ou même ou raconte qui est soit faire confiance OK les nous tant des dossiers visa tant qu'on rendez-vous y a bay rendez-vous sur ambassade Mexique là chaque fin mois ou bay 30 minutes les cas tomber en 28 ou bien 29 même 30 même ça va le dépenser si c'est pas dans weekend les tomber c'est pas pour qu'importe monde ou pas même gagne critère ou pas même gagne document nécessaire et puis tout pour allemand des visa plusieurs monde dit ça quel est ça gon monsieur m'te rencontré devant Comaldea lui mandé mi en contact pour rendez-vous visa Mexique qu'on a gagne un partenaire qui me connaît qui fait ça Monterrey qu'on a là partager contact là avec elle même pense monsieur est en résidé c'est madame ni petite ou bien quelque autre membre dans famille tant que maman le papa qu'elle t'a pour et fait demande et visa pour yo ba li contact là qu'on a c'est les amis on dit Léonard bon et pas on nèg on kon go contact mon nèg là pas même connaît qui ça le besoin on dit comment ça li dit monsieur poko résider yon deuxièmement monsieur gen les pensées c'est unique pour rendez-vous à la passeport pour mettre visa pour payer l'argent on dit bon on dit comme on dit pas poser monsieur trop question parce que me penser monsieur t'es temps bien et puis débat yo li dit non monsieur pas qu'on a rien normalement pour prendre rendez-vous pour visa Mexique faut réunir critère si c'est étudiant faut te gagne demande dans université ici qui approuvé avec tout document nécessaire l'argent sous compte que on mandé tout ça pour capable aller pour faire demande et visa étudiant si c'est pour visa touriste ou déjà qu'on est faut travail attestation banque faut un minimum faut gagne des connexions et des biens etc qui on mandé pour faire demande visa touriste. Si c'est pour visa travail, il faut qu'on demande de travail qui fait depuis ici, qui fait demande pour gens qui me sont expliqués, donc des monde qui ont accès à faire. Pour prendre rendez-vous pour checker visa travail. Si c'est visa réunification familiale, tant qu'on est capable de faire madame ou petite là-bas, m'a fait demande pour yo. Laisse-moi recevoir tout document ici dans l'immigration. OK après me fin faire tout document ou venir ici légaliser traduit légalement et puis de là me faire demande yo ban autorisation laisse me prendre rendez-vous pour me voyer madame moi avec petite moi aller chercher visa dans l'ambassade là mais c'est pas on écrité comme ça bon mes amis me tendez rendez-vous pour visa Mexique pour monter ou aller prendre rendez-vous au fin prendre rendez-vous et l'arrivé dans l'ambassade là qui document va le présenter qui critère qu'on va le présenter pour bon visa ça. Et dit nèg yo pas informé moun yo mes amis. Et puis l'aime fait vidéo, me publier, me dit nous partager pour nous retirer en pile moun dans ignorance. Nous là n'a fait égoïste parce que nous pensons qu'à fond de 3 grains dollars dans vidéo a. Nous pensons c'est ça qui va le faire riche. Non, mettez plus l'amour avec dédication dans ça m'a fait à qui moi l'argent. OK, mais des plateformes n'ont grandi. Ou même ou pas ka ban kobla ou pas ka sponsoriser mais au moins dans publicité ou tout m'a fait petit kobla partager vidéo a le fini principal objectif yon moun k'ap communiquer k'ap informer c'est bien informer et puis tout gen crédibilité ça c'est devise pas moi même crédibilité honnêteté avec respect c'est le besoin ça que fait moi toujours dit non bagaille là jan li a ki nèg yo ka fè mafia ou raïm ki o te vle tiye m ça c'est business yo mais moi même pa kite nou nan ignorance et ben ki sa dwe fè en échange sou pa gen l'argent pou bam pou encourager m sou pa m l'argent m'ap kontante oui mais partager vidéo a kite un like bali un commentaire sou pa suiv moi OK mais c'est pas objectif principal moi fè l'argent nan kont nimyo seulement sinon principalement c'est informer nou retirer nou nan ignorance d'accord. Prends initiative là à partir de jodi a prends vidéo ça partager OK ou même ti malheureux malheureuse qui Haïti et longtemps de rendez-vous visa dans ambassade bon même visa humanitaire Brésil là c'est pas ni ka lo aller comme ça et puis au fourer le passeport bon même Jean Saint Domingue te qu'on fait là Haïti non l'arrivé gain ensemble des critères gain des documents qui ont demandé qui pour bon crédit pour bon visa. Visa Mexique vient même gens. Bon, li on dit gens plus facile. Mais li vient sorti presque même gens avec visa Canada, la France, États-Unis, ou elle fait demande. Ou qu'arrive au fin passer interview, même si c'était ici tu te vois on lettre de travail bon, sou pas qualifié, yo pas bon li non. Faut qu'ou qualifié, faut convaincre oui. Alors m'pa konnen si gen nèg ki gen agence, si gen dilan dans pays gros cop parce que nous connaît.
Nevi se la nation latino yo remen ti kòb yo. Sa ka rive genen ki gen plis aksè ke lòt. Ou konn sa mzo la? Alors se kon sa ba la e. Et m'te di fòk ke mwen mete nou au courant de ça. Li vraiment 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 important, OK? Partager vidéo a sou el nécessaire ou dwe fè l même, ou dwe fè l. Mbò obligation pou partager vidéo sa. La prenen l'autre vidéo sa se Léon Acho la vie haïtien nan peyi Mexique. Ba montre nou l'autre ti ba encore là. M'a roulé, m'a gardé belle views. Ah, belle views n'a gardé là. Man dans un bis là. Bis là pas même gen 10 moun là-dedans. Et pays étranger a son l'autre bagage. Bis là pas même gen 10 moun là-dedans. Yo obligé mené m'aller. Et là m'a dépensé 1366 pesos moins que 100 dollars américains pour me faire un trajet plus que 12 heures de temps. M'a pris l'action, m'te ka prendre avion mais m'vle wè a terre, m'a vle wè zone. Y'a pas de monnaie, pas de espace. Nous dans nos pays là, m'a quitté Monterrey, m'a quitté Saltillo déjà, m'a franchi pour San Luis Potosi. De San Luis Potosi pour m'aller Mexico City. La capitale là, la Cayam. Bye bye, n'a pas une autre vidéo. À la prochaine.